3, 2... Ouais, mais attends, vous commencez pas au même endroit là. Oh, arrête de tricher, voilà, vous trichez. N'oubliez pas les mecs, soutenir un créateur, UMS, 3 lettres UMS pour un maximum de chine les frérots, ça fait plaisir. Je sais, il y en a parmi vous qui mettent pas de code. Et je me rapproche de la caméra pour être sûr que le focus il y est. Parce que des fois, je me rapproche pas, le focus il y est pas. Et à la fin de la vidéo, on me voit comme ça. Donc c'est relou. Là au moins on est sûr, tout est carré, c'est parfait. Je resynchronise pour le monteur. Maintenant tu peux synchroniser avec ça s'il te plaît. Ou encore ça genre. Oh, je me suis enculé de Yep. Aujourd'hui, on va réagir à mon évolution sur Fortnite. On va comparer mon évolution depuis ma toute première vidéo Fortnite qui date du 29 décembre 2017 à ma toute dernière vidéo Fortnite qui date du 20 novembre 2021. Normalement, le niveau va y avoir un écart comme à ça. J'ai plusieurs petites vidéos qui sont non répertoriées que je vais vous montrer. Mais avant, on est bientôt 800 000 abonnés les mecs. N'oubliez pas, un petit abonnement. Petite cloche de notification, je vous vois. Petit bouton rouge, on clique sur le bouton rouge. Et le code créateur UMS de la boutique d'objets, ça, attention, vous l'avez vu dans l'intro, j'ai pas besoin de rabâcher. Code UMS, n'hésitez pas, code UMS, vraiment, le mettez-le, bombardez-le. Ça fait zerpli, plaisir. Ah, à l'envers. Allez, parti. Ok, toute première vidéo les mecs. Elle s'appelle 15 kills, c'est cool, c'est sur Fortnite. Et elle est en non répertorié, elle a fait 21 vues. Il y a 4 likes quand même, donc il y a 4 personnes qui ont aimé cette vidéo. On est parti pour voir cette vidéo, je mets play. Ok, il y a une musique copyrightée. Ah non, c'est l'instru. Ah non, c'est l'instru. Déjà en 2017, je savais que la thune, c'était important. Fallait que ça reste dans les poches et que ça parte pas. Hein. Ok, donc en fait c'est une game en solo, je crois que c'était juste une bonne game que j'avais fait. Bah 15 kills en fait. Regardez, à ce moment là j'avais encore le pseudo Unclaw My Skill. À ce moment là je l'avais encore, j'ai changé de pseudo, on me l'a taclé. Direct il est parti le pseudo. Oh, et regardez les armes en bas à droite. Oh mon dieu, les armes en bas à droite. Vous voyez la carafale bleue là? Enfin la carafale grise. Quand elle était en bleu c'était la meilleure arme du jeu, c'est bon ou pas? Oh, je parle dans la vidéo. Je pense pas qu'il m'a vu. Oh le gameplay comment il était lent. Vas-y, c'est ça. Oh là 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 là. Mais Nordine, qu'est-ce que t'es. Oh là là, putain. J'adore ce niveau que tu montes. Par contre, t'as vraiment un stuff de merde. Il serait temps d'y remédier là, non? À l'époque, tu récupérais des kills sur la map à toute berzingue. Hein. Tu tirais là-bas, il y avait un mec qui avait 2 HP, tu sais pas d'où il venait. Tu tirais là-bas, le mec il posait pas de mur. Tu sais pas ce qu'il branle. Oh, les mecs qui faisaient ça. Oh, les coups de souris sur le bureau. Oh là 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 là, vous entendez? Je vais boire du dissolvant, je vais voir, ça m'aide. Oh le ralenti. Oh la balle dans le crâne. Ça part hein. Oh là 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 là. J'ai un snipe. Attends, je vais commenter mon gameplay et tout quoi. Oh, je lui ai mis une tête. Non, c'est mon kill. Eh voilà, si on me le vole. Ah ouais, je parle toujours de la même manière un peu hein. Ça fait 4 ans et je parle toujours de la même manière. Tu vas mourir mec. Ah ouais, ça tirait au pompe à cette distance, putain. Oh l'époque des lance-roquettes, l'époque de nos grands frères. Oh, quand tu pouvais éditer à travers les murs et voir. Oh cette époque, vraiment c'était la meilleure du jeu. Hop là. Oh là 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 là, mais non, ton niveau putain. Voilà. Mais j'ai fait des petits accélérés et tout, hein. J'étais investi sur cette vidéo, hein. Moi je vous le dis. Parce que je le voyais, il m'attendait genre devant lui et j'apparais au-dessus de lui. Ouais, je suis un gamin, je sais. Bon, on n'a pas besoin de te le faire remarquer, quoi. Oh, mais le ralenti. Mais on est en 2012 là. Mais c'est quoi ça? Oh, je l'ai hit, ma vie est nulle. Oh, regardez, oh, ce move là, je m'en rappelle toute ma vie. Oh là là, petit turn, 180 sur soi-même, balle de snipe. Oh là 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 là. Ça, on n'en voyait pas toujours, hein. Lui oh là 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 là, mais j'avais un niveau sniper par contre. Manger, tu vois. Parce que lui aussi, vous voyez, il va la manger. Oh là 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 là, mais mon level par contre. Au sniper, j'étais pas mauvais. Toujours à la mec, genre, toujours à la fin. C'est un mec, genre, il a galéré toute sa game. Il a une AR maximum. Aucune émotion. Il a pas de scar, c'est sûr. Mais ta gueule, sois content que t'es fait top 1 là au lieu de. Oh le rabat-joie. Oh, c'était une game sympa quoi. Non, mais toujours le dernier mec, casse les couilles quoi. Maintenant, on va sur ma chaîne YouTube, on trie par date d'ajout la plus ancienne. La toute première vidéo, c'est celle-là. Fortnite, je pense que vous avez deviné. Ah, mais en fait, j'annonce juste mon retour, ok, c'est pas intéressant. Je joue avec 3 arabes sur Fortnite Battle Royale, c'est délirant. 3 juillet 2018. Tu fais cette vidéo là en 2021, c'est bizarre. Hein. Mais à l'époque, bon, il y avait rien de bizarre. Et il y a toujours rien de bizarre en soi. Oh l'époque du double pompe. L'époque du double pompe. Oh la Tilted Tower. Oh là là, là par contre il y a trop de nostalgie là. Je suis désolé mais il y a trop de nostalgie pour moi, je vais chialer hein. Le double pompe, le C4, Tilted Tower. Oh cette arme de fou aussi. Ils ont mis cette arme sur le jeu et tout le monde pensait qu'elle était nulle alors que c'était l'une des meilleures armes du jeu hein. L'airscope. Je vous assure que là il y a trop de trucs pour mon cerveau. Les grenades gaz. Alors le double pompe ça s'est arrêté quand? Ok là j'ai le double pompe, voyons voir. Ah comment je build.
C'est trop drôle. Oh, mais le double pompe. Oh, ça me manque trop. Vous savez ce qu'il faudrait que Fortnite fasse? Il fasse un peu comme Dofus World of Warcraft, il fasse une version rétro du jeu. En gros, ceux qui veulent jouer au Fortnite d'avant, ils jouent au Fortnite d'avant. Et ceux qui veulent jouer au Fortnite de maintenant, ils jouent au Fortnite de maintenant. Je pense qu'ils devraient tellement faire ça. Ça marcherait tellement. Tu remets les pièges, tu remets les pièges aussi. Oh là là, l'époque des pièges. En fait, c'est une vidéo nostalgie carrément là. Mon évolution, en vrai, c'est cool, mais la nostalgie, c'est encore mieux. Oh, le nombre de balles que je tire. Mais le mec, il est toujours pas mort en 4-5 balles. Ah, sacrée arme, ça aussi. Bon, si vous faites Fortnite rétro, mettez pas cette arme. C'est tout ce que je vous demande, le minigun. Vous me mettez de côté, quoi. Oh, l'arme de cancer. Bon, il y a d'autres vidéos qui sont encore mieux. Par exemple, cette vidéo qui a fait 1,5 million de vues, qui est sortie le 26 septembre 2018, où je me fais passer pour Tfue auprès d'un mec qui m'a trouvé hyper fort. I'm coming. Je me rappelle cette vidéo quand elle était sortie, comment elle avait trop bien marché. Sartoussar, je vais vous dire, je pense que j'étais à mon prime. Je pense que j'étais à mon prime sur Fortnite par rapport au niveau moyen, tu vois. Oh, l'époque du grappin! L'époque du pompe lourd! En vrai, je m'en battais les couilles de la game. Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Ah, ça me fait bizarre de me entendre par contre. Je sens que c'est pas moi, genre. C'est bizarre, bon bref. Je vais vous raconter un truc par rapport à cette vidéo, vous allez dire, mais putain, t'as raison. Là, vous voyez, je tue le mec. Là, je récupère le coffre. Je m'apprête à le finir et là, on me balance une Semtex. Oh, wait, what? Someone just... Imaginez, cette Semtex, elle aurait pas buggé, elle m'aurait tué. Ça veut dire que la vidéo aurait jamais existé en soi. Parce que je serais mort, le mec il serait peut-être mort aussi vu qu'il était en solo VS duo, la vidéo elle aurait jamais existé. Vous auriez jamais vu un mec qui me prend pour Tfue et j'aurais jamais fait 1,5 million de vues. C'est dingue en vrai. Que ça se joue à un petit bug de Semtex. Voilà, c'était mon anecdote, maintenant on s'en bat les couilles dans la vidéo. Deux hommes mondaires. Let's go dude. Nice bro, nice. Oh là, hey, quelle époque de fou. Oh là 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 là, UMS directement qui s'envole avec son rebondisseur. Il s'en va directement vers l'ennemi. Malheureusement, l'ennemi il a pas réussi à le bug. Il se barre en cassant au lieu d'edit. Intéressant. Il arrive tout de même à tuer son adversaire. Let's go, dude. Oh là 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 là, mais UMS il est solide. Oh, 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 there is someone. Wow, dude, I just no scoped him. Quoi? C'est quoi cette dingue? There's someone. Wow, dude, I just no scoped him. No scope plus 170, d'accord. Bon bah, ça t'écrouille. En vrai ça va, j'avais une bonne aim là déjà. J'avais quand même une sacrée bonne aim je trouve. Je loupe très très peu de balles aux pompes en vrai. Moi je trouve carrément que mon aim elle s'est dégradée au fur et à mesure du temps. Au début du jeu j'avais une bonne aim et là actuellement mon aim elle est moins bien je trouve. Le mec il était choqué, je vous jure le mec il était tellement choqué. Mais la goutte d'eau ça va être le top 1, il va péter un câble il me semble. I don't have sniper. Oh là 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 là, l'époque des traps. Didi. Le mec il va carrément applaudir. Non, c'était vraiment la meilleure époque. Là, c'est vraiment l'époque où j'ai le plus kiffé le jeu. Je ne sais pas comment vous le dire, mais merci énormément. Parce qu'on a atteint les 60 000 soutiens dans la... La bonne époque, ça. Code UMS, faut qu'on remonte à la pente, là. Allez, 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 code UMS. Alors, je sais pas si c'était mon record de kill, mais j'avais fait 33 kills en solo vs squad, j'avais filmé. J'étais en live en plus. Oh, cette game-là, je m'en rappelle tellement. Ah ouais, je pushais tout le monde, j'en avais rien à foutre, quoi. Le mec, il galère un peu à rentrer quand même dans le box. Oh là là, les balles de space. Les mecs qui prenaient des ballons, ils avaient vraiment rien compris au jeu, par contre, je suis désolé de vous le dire. Mais si vous étiez quelqu'un qui prenait des ballons en pensant que vous allez aller plus loin et que vous aviez plus de chances de survivre, vous avez rien compris au jeu. Ça vous permettait juste de vous faire plus laser, c'est tout. Deux ans après, je suis obligé de le dire, voilà, c'est pas smart comme move. Ah, je me rappelle, cette fin de game était plutôt corsée en vrai. Bon, lui, bon, max la menace, voilà. Ah, il y avait les planeurs. Il y avait les planeurs qu'on pouvait avoir dans l'inventaire. Oh, je me rappelle, je stressais. Comment je stressais parce qu'il y avait tout le monde qui me pêchait, j'avais 30 HP. Regardez ma tête de concentré. Ah, on dirait que je suis constipé, 0 van. Et là, il m'avait remis à 6 HP. Non, c'est vraiment cette fin de game-là, c'est pour ça que je me rappelle. Parce que j'avais stressé comme un porc. J'étais sous pression toute la game, frère. À chaque fois, je m'en sortais avec 2 HP. Heureusement qu'il y avait la régène en MM. Hein. Si tu voulais faire beaucoup de kills, fallait pas loot. 33 kills. D'accord, la réaction nulle. Ok. Ok, maintenant, vidéo un peu plus récente qui date du 28 mai 2020. C'était le tournoi de Benji Fishy. Là aussi, à cette époque-là, j'étais pas mal à mon prime en vrai. C'était l'époque où je faisais beaucoup de compètes. Regardez, même, ça prouve à quel point je faisais de la compète. Midas a failli me tuer. Enfin, Sky, du coup. D'ailleurs, on voit sur mon visage que j'avais pris un peu de poids. Hein. J'en bats les couilles de la balle de barrette. Non, à cette époque-là, j'étais chaud, ok. Ah, j'avais aussi la connexion en France, ça c'est vrai ça, c'est quand je suis passé en France. Ça c'était quelques mois après que j'ai déménagé en France hein. Le zéro de ping là. Ah, je mettais que des trucs de fou. Ah, en plus c'était en live Twitch. Oh la Thompson, mais non. La fameuse, mais non. Oh, comment elle date.
Oh, l'arme du démon. Ah, c'était vraiment l'arme du shaitan, hein. Là, non, là, à ce moment-là, vraiment, j'étais pas mauvais. Objectivement. Allez, le top 1. Ça sécurise, ça se barre loin. 50 HP, je me pisse un peu dessus. Je sécure quand même, bois des petites mini, et là, hop là. Let's go. Oh, c'était une bonne game. C'est vrai que cette game-là, elle m'a marqué. Mais non. Nono qui tente le Boozy Tournament. Mais non, avec sa coup de merde. Ah là, c'est seulement il savait qu'il avait aucune chance depuis le départ en fait de gagner. Il l'a su bien après malheureusement. Je me rappelle, je l'avais tryhard jour et nuit la map. Elle avait plus aucun secret pour moi, vraiment. Bon, maintenant l'edit ça ressemble plus du tout à ça. Hein. Maintenant tu fais des petits fails là que j'ai fait dans la vidéo. Le record, tu peux, voilà, tu peux le laisser tomber. Maintenant, edit rapidement, en 2021 ça ressemble plutôt à ça. Mais maintenant du coup mon niveau il ressemble plutôt à ça. Je vais prendre une vidéo highlight pour vous montrer. Voilà, ok, c'est bon, j'ai mon prime. Les avant-dernières FNC sans trio, c'était vraiment mon prime. Oh, le 3v1 en solo vs trio. Le highlight est dispo sur ma chaîne secondaire d'ailleurs si vous voulez aller le voir. Ça me fait quelque chose de voir ces clips là. Maintenant que j'ai arrêté la compétition, ça me fait un petit passement au cœur quand même. Oh là là là. En vrai, je suis content quand même de mon petit parcours compétitif sur le jeu, tu vois. Pour un mec qui a pas H24 tryhard le jeu, qui fait des vidéos et tout à côté, tu vois, je suis quand même content. Parce que j'avais mon petit niveau, tu vois, sans pour autant m'investir à 1 milliard de % dans la compète. Mais je m'investissais quand même dans la compète, je m'entraînais et tout. Hein. Voilà, ça c'est mon niveau en 2021. Enfin, c'était mon niveau en 2021 du coup. Va. Est-ce qu'il y a une vidéo plus récente sur ma chaîne où on peut voir en vrai mon niveau ou pas? Ah si si, dans cette vidéo là, je vais tryhard à ce moment là. Ouh là 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 là, mais Nono! Oh là là, Nono! Bon les mecs, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était bien drôle. C'était bien drôle, mais style, on police des viacs. De voir l'évolution entre 2017 et 2021, c'était style funny, man. Si cette vidéo vous a plu, oubliez pas le petit pouce bleu. Dites-moi quelle a été votre époque prime sur Fortnite. Quelle époque vous avez le plus aimé? Soit la saison, soit l'année. Moi perso, je pense que ça restera l'année 2018-2019. Plus 2018, parce que c'était vraiment le top top top. J'ai archi kiffé. Avec le double pompe, la 4 tiers et tout. C'était god époque, vraiment. Bref, mettez un petit pouce bleu. Les refs, si ça vous a plu, oubliez pas, activez la cloche de notification, abonnez-vous, n'oubliez pas le code UMS dans la boutique d'objets. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée, c'était UMS. Bisous.